Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge et Magie. On est aujourd'hui sur des pathogastriques qu'on va essayer de faire. Alors, pour l'élément de res, je dirais en exorès terre, comme ça, a priori. Terre ou feu, sur des pathos, c'est pas mal, mais plutôt terre et Overvita, sinon, selon ce qui se présente à nous au niveau de la vita. Et on va essayer de le faire en double puits autant que possible. Alors, pareil, ça dépend de la manière dont se passe l'UFM et de ce qui se présente. Pour le moment, on a le PA qui est tombé, on a 92 de puits. Donc bah on est parti. On va commencer par la chance parce qu'il va falloir faire un petit over. Ou alors je commence par la Vita. Je vais plutôt commencer par la Vita. Comme ça là j'ai moins 3. Ensuite là, Ravi. Moins 10. On va enlever le petit over Vita à la Runini, tout simplement. Il va aussi falloir faire un petit over chance. Ça c'est tranquille. Moins 3. Et la rachat. Ok, moins 10. On s'en sort pas trop mal. J'ai rien qui pèse 2 sur l'item, donc il va falloir mettre de la raie neutre. Enfin, ou n'importe quelle rune qui pèse 2, hein, bien sûr. Et on se retrouve avec quelque chose de pas trop mal. On va devoir monter le tacle. Moins 4. Je vais faire ensuite les runes de feu. Dans ce genre de cas de figure, j'y vais en fait par ordre croissant du poids des runes. Pour maximiser la variance du jet final, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc moins 20 ici, ensuite la repair R, moins 12, la passa, moins 9, et la rainée qui crit. Donc 21 de puits restant. On peut tenter une rune ça, et ensuite 3 Santarez. Oh bah ça crit, et bah comme quoi je fais bien à chaque fois de prendre le temps de le tenter. Puisque bah ça peut arriver que ça passe. Donc là du coup ça change un peu la donne, parce que on se retrouve à 21 de puits sur un jet qui pourrait être perf, en fait qui est perf hormis la Vita. Du coup, ce qui veut dire que si je fais de l'exorèse, j'aurai un jet presque perf exorèse, alors que si je fais un over Vita, j'aurai un jet perf over Vita. Dans cette optique, je vais donc faire de l'over Vita plutôt que de l'exorèse. Donc on va juste mettre une rune vie. Qui ne passe pas, et deux ravis. J'aurais aimé en avoir une, je vous avouerai. Et le PA qui passe pas. Bon, tant pis. On a fait tomber le PM à la pas-répa, enfin pas-rétré PA. Autant dire que bah, on n'a pas beaucoup de puits, hein. On est à 69, donc c'est pas terrible, mais on a quand même des lignes qui sont dans un bel état, ce qui va nous permettre de potentiellement tenter du gros G, mais on aura probablement pas de quoi remonter l'item, hein. Mais on va tester quand même. Je pense que du coup je vais y aller pour les mêmes raisons que celles que j'ai expliquées avant sur de l'over Vita. Donc on va s'occuper du reste de l'item. Alors il m'aurait fallu des patacs, j'irai en prendre juste après. J'ai moins 8 ici. Ok, on a un crit sur les deux hauts. Donc moins 10. Ensuite on va mettre la repair R. Moins 6. Là, pas retrait PA. Là il nous faudrait vraiment un crit. Bon, ça passe, ça crit pas, mais ça passe, c'est déjà ça. 24 de puits, je pense qu'on va faire vie. Alors, je pourrais soit faire vie, pas vie, et deux ravis, soit vie, pas vie, mais non, je pense que vie, pas vie, c'est mieux. Donc, vie, pas vie, hop, et deux ravis. Ok. Et j'ai eu un crit à la pavie, j'ai pas vu, j'aurais dû le voir avant. Bon, dommage, ça, on aurait peut-être eu le 399. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. On a fait le tomber le PM à la rune d'Ocri. On a donc 89 de puits ici, puisqu'il nous en restait 4 d'avant. On va avoir un G voilà, qu'on pourra pas maxer à cause de la sagesse à 38. Donc on va partir sur un overraise assez solide, je pense. On va pouvoir mettre la vie tout de suite à 347, et ça, c'est plutôt cool. Moins 6, on n'aura pas besoin de faire d'over, hein, donc ça nous évite quelques contrariétés. Moins 10, ok, on a eu un crit à la ravie qui nous met bien aussi. J'aurais peut-être pu commencer en fait par soigner les stats élémentaires, parce que ça m'aurait permis de ne pas trop m'embêter avec les over. Là, je vais devoir over chance. Je vais monter l'intel à 60 comme ça. Ok,
Ok, c'est pas trop trop mal passé. Alors le 3 de chance, je l'ai compté, et là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. Alors la chance, bah en fait la chance, non, en fait il n'y a pas besoin d'over, effectivement. On était, attention, je sais que vous adorez ça, on était congru à 60 modulo 3 sur les deux lignes, tout va bien. Alors en revanche, si je peux passer les runes, c'est mieux, c'est préférable pour la FM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. Bon, ça coûte quand même cher, peut-être qu'on aurait finalement mieux fait d'y aller à la rat. Je ne sais pas. Hop, le crit ici. 25 de puits restant. Bon, on a un de puits en rab. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien à en faire. Du coup, on va partir sur 4 Tantarès. C'est parti. Peut-être le 4%, qui sait. Il y en a eu un crit. On en a encore une. Ce sera 1%. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM, mais on fait tomber le PA. C'est intéressant. Du coup, il nous restait 1. Et on a eu plus 96. Non, pardon. 1 plus 106. Moins 90. Donc on a 17 de puits. Là, ce serait intéressant d'avoir un crit ini. On va test. Oups. Bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire de ce qui reste ici. Donc, on va mettre 2 tentats. 1%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Superbe puits PA ici. C'est vraiment remarquable. J'étais en train de me dire, en fait, bah, mon item est déjà presque maxé. J'étais presque embêté pour le retoucher au niveau de la... au niveau des lignes. Et le PA tombe, voilà, juste pendant que j'étais en train de terminer le petit Dokri qui me restait à remonter. Donc en fait j'ai un truc qui est déjà incroyable. J'ai 95 de puits. Je suis vraiment triste pour la sagesse en fait. J'aurais aimé la passer à 40. J'ai presque envie de tryhard la rune sagesse. Mais c'est vraiment un coup à ce qu'elle passe pas et à ce que je flingue tout le puits dessus. Donc je vais devoir me contenter du 59. On va quand même maxer la chance. Mais la sagesse devra rester à 39, malheureusement. Donc c'est parti pour la chance. Je vais y aller à l'appât, en espérant que ça passe assez vite. Ok, moins 18. La petite rune raie neutre, qui passe pas. 77 de puits. Ah, il nous, c'est dommage, il aurait fallu un de plus. Je vais regarder s'il n'y en avait pas avant, mais a priori, il y a vraiment très très peu de chance. Un de cri, non, là c'est quasi sûr que j'ai eu. Là j'ai eu moins 3. Là, j'ai pas eu de perte. Là, 2 sagesse, un retrait PA. Là, on est à plus 4. Ah, c'est pas impossible que ici j'ai eu plus 1. Si c'était une rune retrait PA, ce qui est très probable, ça veut dire que là, j'ai eu. Ah, bah non, sinon j'aurais pas eu le moins 1. Non, non, je pense. Je pense vraiment qu'on est à 77. Donc, on va essayer le crit pour passer. Pour essayer de passer à 78, ce serait vraiment bien. Est-ce qu'on a le crit ini? Non. On peut tenter le crit ré neutre, parce que là du coup on est à moins 1, on est à 76. Si je crit là-dessus, on repasse à 78. C'est pas... J'ai cliqué ou pas? J'ai cliqué, ouais. Donc bref, tant pis, là on est à 74, je pourrais tenter encore le double succès crit, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter le délire. 72, ça nous fait 12 tantarèses, c'est quand même très propre. Surtout que là on a le double puits quoi, donc ça peut vraiment donner du gros gros jet. 4%? Moi je call le 4%. Sachant que sur le dernier item que j'ai FM c'était une cap solution, j'ai eu 3 tentatives à 4% pendant la FM, bon j'en ai aucune qui est passée, mais là je pense 4%. Allez go! Allez 1, 2, allez ça commence, 3, allez moi je dis 4%, obligé. Oui, bon 3%, d'accord, c'est pas mal. J'accepte. Si j'ai le PA, le PM, j'accepte. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA est tombé sur une rune retrait PA. On a 96 de puits. On a les 40 de sagesse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va partir en Overvita, du coup, parce qu'on aura le perf de cette manière. Over Intel, c'est parti. Moins 13. On va enlever ça à la res fixe. Hop. La chance est congrue à 60 modulo 3, c'est nickel. Là j'ai eu moins 1, je vais le compter comme ça. Ok,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. C'est joli, tiens, ce qu'elles ont fait les runes, là. 61 de puits restants, et eh bien ça va partir sur une rune vie et 6 runes ravies. Et là, on peut aller chercher le gros over. Ah, comme quoi je fais bien de tenter à chaque fois. Mais là, ça me met presque en fait dans le mal parce que du coup, ça me. Passer les rats, ça va être un peu plus compliqué parce que déjà la première, elle va faire de l'over. Mais ça peut potentiellement m'aller chercher un 501 et ça, ce sera beau. Donc voilà, pas de regret, mais c'est parti. Allez, une. Ah, une deuxième quand même. Oh là là. On est sur une déception officielle. Est-ce qu'on a... Alors bien sûr, c'est là-dessus que le PAPM repasse, hein. Ça, c'est la classique. Ok. Le PA est tombé sur une rune tac. On a 97 de puits ici. On a les 40 de sagesse. Ça, c'est cool. En revanche, la Vita ne pourra pas. Ah, je dis ça, mais si. Si, si. On peut aller chercher le perf. Alors, on va essayer un truc. Pour aller chercher le G-perf. Est-ce qu'on peut. Donc là, j'ai moins 3. Est-ce que. Parce qu'en fait, là, on est congru à 50 modulo 2. Et les sauts de 2, c'est ce qu'on peut faire en combinant des pavis et des runes pod. Est-ce que je peux faire deux pavis et ensuite deux runes pod consécutives? On va tester. Moins 9. Alors là, il faut que j'ai la rat qui passe. Ça passe, moins 10. Parce qu'en fait, si ça passe, ça veut dire qu'on peut presque systématiquement aller chercher le perf vita dès qu'on est congru. Enfin, en fait, dès qu'on a une vita paire, on peut le faire. Voilà. Parce que congru à 2, ça veut dire paire, hein, concrètement. Donc, enfin, congru modulo 2. Rune pod. Une. Là, on a le moins 13. Et deux. Moins 13 aussi. Ah, c'est intéressant à noter ça. C'est vraiment intéressant à noter. Sachant que là, du coup, on a plus 0,5. Et là aussi. Donc, en fait, j'ai plus 1. Normalement, je gagne 1 de puits sur les deux, là. Là, j'ai eu plus 1. C'est vraiment... Ouais, c'est de très très bon augure pour aller chercher du G-perf. Je sais que pod, quand t'en mets une, c'est toujours moins 13, mais je savais pas si quand t'en mettais deux consécutivement, les deux faisaient moins 13. Donc c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on peut aller chercher du G-perf à chaque fois. Donc là, du coup, j'ai eu plus 1, normalement, parce que là, à chaque fois, j'ai 0,5 et 0,5. Et donc là, ça pèse 2,5. Donc, là, j'ai moins 0,5. Donc en fait, moins 1. Puisqu'on n'aura plus de valeur décimale ensuite. Donc je peux mettre moins 1. Parce que là, sinon, je vais faire... techniquement, j'ai 75,5, mais le 0,5, on n'en fera rien. Donc maintenant, on va... Bon, la pacha n'est pas passée. Je vais commencer par l'intel quand même. Qu'on va monter à 62. Moins 20. J'enlève l'over à la raie neutre. Ok. La Pacha, moins 1. Moins 6. Moins 4. Les deux feux, et on est bon. Qui crit. 44 de puits restants. Bon, techniquement, il faudrait que je tente le double succès Reynaud, mais comme on a quand même beaucoup bidouillé sur le puits et que l'erreur est humaine et que c'est pas impossible que je me sois viandé entre les pods, les vies, etc. Je vais juste partir sur 7 Tantarès. Hein. J'aurais pu vraiment tryhard le double succès crit, mais bon, on est sur des choses tellement faibles, on a plus de chances de s'être trompé que de l'avoir. Donc 7, j'avais dit de la rune terre. Je sais pas ce que je fais avec mes runes R. Hop. Et là, on a quand même du très beau jet. Alors, on en a combien? Une, deux, 2%. Bon, c'est déjà bien. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98 de puits sur ce PA qui vient de tomber à la rune d'Ocri. Donc, bah, on a les 38 de sagesse, donc on est un petit peu bloqué. Mais on va faire ce qu'on peut pour le reste. On va passer l'intel à 62. Moins 3, ok, on a eu un crit qui fait plaisir, ça part plutôt bien quand même. Donc on n'aura pas du G-perf, mais on va peut-être pouvoir avoir quelque chose de soigné avec des grosses Antares. J'ai eu un crit sur la raie neutre. Ça arrive toujours quand on n'en a pas tellement besoin. Moins 8 ici. Alors, avec la Vita, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais éventuellement aller chercher. Je vais faire un petit over.
En fait, je vais carrément mettre deux runes ravies. Parce que là, voilà, en fait, techniquement, en jouant avec les pavis et les potes, je pourrais aller chercher le perf, mais là, ça va me coûter très cher. Et comme de toute façon, on a les 38 de sagesse, on n'aura pas du vrai GPRF, donc je vais pas tryhard à fond et je vais plutôt partir dans une optique d'avoir beaucoup de 2% reste dessus. Ça me paraît plus cohérent. Moins 10, ok, donc on va avoir une très très belle tenta. Que je vais enlever. Je vais y aller à la pas faux. Parce que. Hop, voilà, comme ça j'ai un moins 15. Si j'avais fait 3 runini par exemple, j'aurais eu plus de chances d'avoir des moins 6 à la place des moins 5 et de me retrouver à 348 ou 347 vita. Donc comme ça, voilà, j'ai eu moins 15, je suis à 349, bon ça reste du gros G. Hein. Ce qui fait qu'au total on a l'équivalent de 80. Donc bah on a 2 de puits en trop, mais on n'en fera pas grand chose. Donc on va juste mettre 13 runes restaires. Je vérifie. Ah j'ai oublié les deux hauts, il me semblait bien que j'avais oublié un truc, autant pour moi. Donc on a 77, je l'avais mis dans un petit coin de ma tête, il y a une alarme dans mon cerveau qui vient de pop. Qui m'a dit attention les deux hauts. Donc on a moins 2. Moins 10. 65 de puits restants du coup. On va essayer là pour le coup d'avoir le petit crit. Je regarde si j'en avais pas peut-être d'avant. J'en doute. J'en doute vraiment. Peut-être qu'il me restait un, mais je suis pas sûr. Et dans le doute, on va essayer le critini. Ok, je l'ai pas. Bon, bah, on va faire 10 tentes en réter. Et c'est parti. Une, deux, trois. Peut-être la quatrième, qui sait. 3%, c'est déjà propre. Hein. Sur un jet comme ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. On a fait tomber le PA, la pas retrait PA, ce qui nous fait 96 depuis. Du coup, on a le PM, comme on l'avait essayé de le repasser à la tête d'avant. La sagesse est bien. La Vita va poser un souci. Quoique, on va la tryhard, hein, comme on a annoncé. Donc, moins 9. C'est parti pour les runes pod. Ça a l'air plutôt efficace, notre petite technique. Là, en plus, on a le crit. On a le crit. La pod. La deuxième pod. Ok, donc là, j'ai eu plus 1. Et là, j'ai 5. Donc, normalement, avec une dauphe, je les récupère. S'écrit pas. Ok, nickel. Ça se passe à merveille. C'est vraiment un bon petit trick hein, à connaître hein, si vous voulez soigner vos jets. En plus, on a l'intel et la chance qui sont congrues à 60 modulo 3, donc c'est nickel. Je vais démonter tout de suite. Alors, une, deux, bon, on va compter à la fin. Je vais tout balancer les runes pas d'affilée. Je vais monter les deux à 60 et on comptera au final ce que ça nous a coûté. Non, on va avoir un beau GPF là. Si j'ai le puits pour aller le terminer, bien sûr. Hein, mais... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moins 42. Ça coûte quand même cher, on va pas se mentir. Je vais y aller à la rune tac, que je vais monter à 12, moins 4. Les deux feux, les deux hauts, les deux cris. Oh, on perd beaucoup là. J'ai moins 25 ici. 17 restants. Il nous faudrait un crit à la patac. Dommage. Bon, en tout cas, on a bien soigné voilà, la gestion des lignes pour remonter l'item, mais on n'avait pas assez de puits. C'est un peu triste. Ça, il aurait fallu que le PM soit pas là, ce serait mieux passé. On aurait pu faire plus de trucs. Tant pis. Ah, bah, il y a le PM qui tombe. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Je suis vraiment pas sûr. Là, du coup, j'étais à 2 ici. Là, j'ai eu. J'ai dû retomber à 0. Je devais avoir du puits en rab. Hein, j'ai pas spécialement compté avant. C'était possible que j'avais un peu de résidu. Du coup, là, normalement, j'étais à 0. Et là, je suis à 9,8. Enfin, on va dire 9 parce que de toute façon, les décimales de puits, on n'en fera que dalle. Plus 14. Plus 90. Moins 100. 13 de puits. Bah, je pense qu'on n'en fera vraiment rien en fait. On peut essayer hein, d'avoir du crit. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Sauf si on a par exemple la patate qui crit. On l'a. Donc là, j'ai 3.
Bon, bah, il nous faudrait du crit de partout. Mais ça a l'air d'être bien parti pour ça. Oh, décidément. Donc, j'avais pas 3, je devais avoir un peu de rab avant. Tant mieux. On va essayer de remettre le PM et puis on tentera une crit à la pourcent d'eau sort si des fois le PM passe. Le PM passe pas. Je suis sur un arc corrompu que je monte pour un ami. Voilà, il veut un G 345, 68, 38, le reste perf sans prospection. Éventuellement avec un petit pourcent reste feu en plus ou 2% si on peut. Voilà, je me dis comme le G est quand même sympa et qu'on est parti pour faire ça, je vous les mets aussi en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par l'intel qu'on va devoir faire en over. Alors j'étais à 48,8 selon lui, ça me paraît plausible. Allez, je vais lui faire confiance, c'est son arc. S'il me dit que c'est ça, je le crois, ça m'évitera de perdre du temps à compter. On va monter ensuite les petites réécrits, ok. Il va nous falloir la ravie. Ok, moins. Alors là, on a eu moins 40 pour l'instant, hein. Ça laisse pas grand chose, mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à retoucher. Je vais lui enlever la vie puisqu'il veut mettre de la reste dessus, donc il va y aller à la rune de transcendance. Hop. Il nous reste 8,8. Alors j'ai deux options, c'est soit je tente les réécrits, soit je tente les paraécrits. De toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'essayer de passer comme ça à 20, 25 et son LPO. Ouais, dommage. Tant pis. Le PO vient de tomber sur une rune cri, on a 45 depuis. On va commencer par s'occuper des récris, qu'on va monter direct à 22. Voilà, ça passe encore pas trop mal à ce stade en général. On va ensuite chercher les 25, ça crit, c'est cool. Les retraits PA, moins 7. Les Rainés. Ah, ça va être un peu short peut-être. Ok, moins 20. Bah, il faut juste que la ravie passe et que le PO passe et on est bon. Elle est la ravie. Ça passe. Il me reste 4. Normalement. Donc je vais juste faire une tenta sagesse. Une tenta innée. Ah, voilà, ça aurait pu. Allez, si on a le PO, le FM est fait. Dommage. 50 de puits sur le PO qui vient de tomber ici. On va avoir un petit souci d'intel. Ah oui, il va falloir faire over intel, over vita, ça va être un peu chaud là. Bon. Allez. Ouais, moins 30, c'est compliqué. C'est pas facile. Je pense que je vais. Je vais y aller à la pavie. Il me faudrait de la pavie en fait. Moins 6, ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On est quand même un peu limite hein, sur le puits, mais je vais essayer de passer ça. Moins 2, il nous reste 14. Ouais, il nous faudrait beaucoup de crit pour pouvoir finir l'item. Ça va quand même être compliqué, malheureusement. Moins 5, on a 7. Et bah là, on est quand même mal, hein, tout simplement. Ouais, plus de puits. Dommage. On était, il restait 2 runes à passer, puis on était bon. Est-ce qu'on a le PO quand même? Non, on n'a pas le PO. On a fait tomber le PO à la pafui, je pense que j'avais un depuis avant, puisque là j'ai eu un plus reliquat, et il n'y avait a priori pas de décimal depuis. Là j'ai eu plus 2, moins 2, donc je pense que je suis à 40, j'espère que je ne me suis pas trop trompé. On va commencer par la petite vie, moins 3, le G nous arrange bien là, on est, en termes de congruence on est bien. Je vais monter la vie tout de suite. Oh là là, ok, moins 20. On a peut-être moyen de faire quelque chose, c'est un peu chaud quand même. La fuite, moins 4, 13, ok, on a juste de quoi tenter, passer tout en succès neutre et on est bon. Dommage. Oh, le crit! Oh là là. Allez, on repasse le PO, le FM est good, il est validé, ça part en transcendance derrière, ce serait bien de l'avoir, qu'on puisse passer à la suite. Et on l'a pas. Le PO qui tombe à la passa, il nous reste 38 ici, bon c'est un peu léger. C'est un peu léger, mais ça peut le faire. On va monter les réécrits comme ça. On va passer l'intel à 49, moins 3. Bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer du crit. Ok. Un crit. Deux crit. Bah voilà, il suffisait de demander. 25. On a peut-être moyen de le faire là. Hein. Les rez. Les réécrits. Ah, dommage. Moins 24, dommage, hein, c'était pas loin. Il nous faudrait un crit à la passa pour qu'on soit bien, mais là ça va être chaud. Ouais, dommage. Bon, on retente le PO quand même.
Tant pis. Le PO qui tombe à la paperasse, peut autant dire que c'est pas la rune qu'on préfère pour faire tomber le PO. 43 de puits, on a un problème de vita, va falloir over. En espérant que ça prenne pas trop de puits, bah voilà, fin du FM hein, concrètement. À partir de là, on est dans le caca. On va espérer quand même faire quelque chose avec de la... on va y aller au récrit en fait, tout simplement. Voilà, ensuite, Lini. Ok. Peut-être la Intel, hein, qui sait. Moins 9, mais là, à moins d'avoir la série de succès crit de notre vie. Bon, ça commence pas trop mal. On est quand même pas bien. Voilà, 0 de puits. Allez, il me faudrait 5 crits d'affilée et on est bon. Eh, c'était presque ça en vrai. Hein. C'était presque ça, mais malheureusement. Oh, attendez, est-ce qu'on ferait pas un truc là? La petite puffy. Qui crit? Eh, il se passe des choses là. Il se passe carrément des choses. Là, on a deux. En fait, si j'ai un crit à la pas Intel. À la ra Intel, pardon. Ouais, ça se tentait. Bon, bah dommage. Mais bon, on a quand même eu des trucs intéressants là. A nouveau, le PO qui tombe sur une paperasse, bah, décidément, faut que j'arrête de passer ces runes. Alors j'ai presque envie de rien du tout, il va falloir faire un over. Pas le choix. Ok, moins 20. 20 depuis sur un PO, ça coûte quand même cher. Hein. Il faut que j'enlève 39, donc il me faudrait 8 depuis, je vais y aller à la fuite. Ok. Là, Ra, Intel. Qui passe pas. Moins 20 encore. Ouais, les runes pèsent beaucoup et l'item est pas facile à monter. Il y a des grosses lignes et on est que sur un PO quoi. Donc on est vraiment limité, c'est pas évident. Hein. Encore une fois, la paperasse qui fait tomber le PO, décidément. Bon, 42. Là, ça va être chaud quand même d'en faire quelque chose. Hein. Ça va être bien chaud. Je vais essayer le double pavis. Voilà, moins 6. La ravi. Moins 20. La récrit. Moins 2. La par écrit. Moins 6, il nous reste 8. Malheureusement, on va être un peu léger. Il nous reste 1. Et il nous restait encore trop de choses à remonter. Oh, on a du crit, tiens, c'est cool. Mais on va pas pouvoir aller très loin malheureusement. Moi je dis ça mais... Avec la série qu'on a, il nous faudrait juste deux crits, un fuit, un pas fuit. On y était presque. Hein. Eh, est-ce qu'on n'aurait pas la passa? Ah, oh, c'était pas loin. C'était pas loin. Ah, j'ai toujours envie d'y croire jusqu'au bout comme ça, mais en plus on a le PO. Mais n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi ce qui se passe sur Dofus. Tant pis. 36 de puits qui reste ici, on est déjà un peu en difficulté, le PO était tombé à la passa, on a moins 20. On va y aller à Lini, y a pas grand chose de plus à remonter sur l'item, hein. Pour peu qu'on ait un crit à la rainée là, pourquoi Lini passe pas? Ah bah oui, c'est pas les bonnes. Tac, voilà. Ensuite, là, bon ça passe, moins 9, il nous reste 7. Donc normalement ça je peux passer, ok ça passe pas, il aurait fallu du crit. Après j'avais juste à crit sur le crit, ok. Est-ce qu'on a un crit sur le crit? Dommage. On aurait pu l'avoir. Tant pis. Le PO est tombé à la rune de feu, on a 46 de puits. Alors là, ça peut donner quelque chose. Ça va se jouer sur l'intel qu'on va devoir over. Ok, ça passe, c'est cool. C'est là qu'on aurait pu perdre beaucoup de puits. 36 restants, on va récupérer 3 sur... Je vais les récupérer... Allez, on va y aller sur les récris. Ok, dommage. On va mettre l'ini. Cette recette ne donne rien. Merci, merci Dofus qui ne bug pas du tout. Tout va bien. C'est une blague ou quoi? Le jeu est pété, c'est un délire. Le jeu, il est vraiment flingué. Il se passe des trucs. Il y en a beaucoup des bugs comme ça en FM, hein. C'est un peu fatigant. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime Dofus. Allez go. Tac. Tac, alors l'arc n'est pas passé. Voilà, on reprend. Donc, il va me falloir la petite réécrit, moins 2. Il y a la sagesse qui va quand même être un peu problématique. Hein.
Bon bah on perd 30 sur la Vita, dommage. On perd l'attentat du coup, il y aurait peut-être eu moyen de faire des choses, mais là... Malheureusement, ça va être compliqué, sauf si on se rattrape sur du full crit pour la fin, mais là je n'y crois pas. Et on a le PO, bon tant pis. Le PO est tombé sur une rune d'Aufeu, on a 46 depuis. On n'est pas trop mal pour le G là, on n'aura pas besoin de faire d'over sur aucune des lignes. Ça nous met plutôt bien. Tout va se jouer encore une fois sur les ravis, les Rainés, si on n'a pas trop de problèmes. Ok, moins 20, c'est pas trop mal. La crit également qui pèse lourd. Dommage, on perd tout là-dessus. On était presque bon sinon pour le reste du G, c'est triste, tant pis. On a fait tomber le PO sur une rune retrait PA, on a 48 depuis ici. On n'est pas si mal. Alors, je vais quand même demander. Alors, je crois que tu es sur le live, mais je vais demander si 340 vita ça passe, enfin 344, parce que sinon il faut faire un over. Et là, j'avoue que pour 1 c'est un peu dommage, mais bon, s'il faut le faire, je vais le faire. Chiant, mais no choice. On va s'en contenter parce qu'on risque de perdre vraiment beaucoup en fait, juste pour essayer de grappiller un peu de vita. Donc, on va partir là-dessus, tant pis, pas terrible, mais là j'ai moins 2. Allez, c'est parti. Ravi, Rainé, le crit est ok, donc là j'ai moins 20, moins 18 pour la sagesse, 8 depuis restant, c'est un petit peu trop léger, dommage. Le PO est tombé à la rune repair, on a 45 depuis ici, le J est pas trop mal, la vita est ok, l'intel est ok, la sagesse est ok, il va juste falloir s'occuper du reste, mais à la limite ça c'est jouable. Alors le retrait PA qui crit, ça fait plaisir, les raises. Allez, ah, moins 24 pour les raises, ça picote, mais bon, allez, il n'y a plus grand chose à remonter derrière. Dofeu, moins 5, moins 5, moins 8 pour la fuite, il nous reste 8, il faudrait un crit et un succès neutre pour les raises. Allez, le crit s'il vous plaît, dommage, je peux encore l'avoir ici, presque, allez, un crit. Oh là là, dommage, c'était vraiment pas loin. Tant pis. Le PO est tombé à la Rainée, on a 41. On n'est pas trop mal en fait, si on arrive à passer une pavie assez vite. Tout va se jouer là-dessus. Ok, moins 6. A partir de là, bon, on a la récrit, ça peut passer la récrit de 24 à 25. C'est un peu chaud, mais c'est encore jouable, voilà, moins 6 aussi. Il faudrait que l'intel ne prenne pas trop de puits. Ok, un crit et un neutre. Ok, on n'est pas trop mal, 19. Le crit, et il ne restera plus que la fuite derrière. Oh, dommage. Dommage pour le crit qui passe pas. Là, j'ai moins 14, il me reste 5. Si j'avais eu le crit, c'était bon. Je vais essayer, hein, mais... Oh, je suis triste. On avait le père Vita, père Fintel. Ouais, ça aurait été pas mal. Dommage, ça s'est joué à pas grand-chose. Et bien sûr, le PO repasse là-dessus. Obvious, classique. Bon, bah allez, on continue, hein. Le PO vient de tomber à la rune retrait PA sur un G qui était vraiment pas mal. Alors il y a juste la Vita qui pose souci. Je pense que je vais y aller en over Vita à la Ra Vita. Enfin à la Ravi quoi. Voilà, ça passe. Et là par contre pour le reste de l'item on est vraiment bien. Il faudrait que j'enlève. Il faut que j'enlève 27. Donc il me faut 6 pour. Voilà, je vais faire un petit moins 30. On va y aller. Allez, à la récrit. Enfin, pas récrit. Moins 30. Et du coup. Ah oui, c'était 37, pardon. Autant pour moi. Et du coup, on va mettre une petite raie neutre pour enlever ce qui reste. Tac, qui passe en plus, donc je récupère le puits, ça fait plaisir. Le retrait PA, moins 5. Et normalement, là, on a de quoi monter les raies. Ah non, je vais quand même pas flinguer tout le puits pour les raies, quoi. Oh, j'ai plus de puits, il me manque un pour passer ça. Incroyable. Putain, mais d'où je perds autant, quoi. C'est fou. Bon, on sent quand même le PO. Qui passe pas, mais incroyable, on se fait disrespect par le jeu, tout allait bien, j'avais 2% raise à passer avec 29 de puits, et je me prends moins 24 pour la première, quoi, c'est fou. Le PO qui tombe à la Rainée, ça va être un peu chaud, hein, je vais pas vous mentir, alors Pavi, Ravi, moins 13, ok, on était à 41, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé, déjà les 3 Rainées me font stresser, voilà, tout ça s'est bien passé, nickel. Allez, la part écrit. Oh là là, moins 18. Bon bah tant pis. Dommage, hein, à la limite, si c'était moins capricieux, ça aurait pu le faire, mais là c'est chaud. C'est très chaud. Le PM est tombé, on a 84 depuis ici.
On va pouvoir aller chercher du G-Perf over Vita, donc ça c'est plutôt sympa quand même. Je regarde un petit peu ce par quoi je vais devoir commencer. Bon là il faut remonter simplement toutes les lignes, on est quand même pas trop mal. Allez, les petits de haut qui critent. Le retrait PA, moins 7. Je vais y aller à la pataque. On va faire d'abord la sagesse, moins 9. Les runes élémentaires, les rats. 10, moins 20. Allez, la pataque, un petit crit, ce serait cool. Ça picote, hein. Moins 24 du coup. Et ce qui nous fait 24 de puits. Je pense qu'à 24 de puits, oh, je pourrais mettre full pavi. Non, on va mettre vie, pavi, ravi. Enfin, double ravi, quoi. Vie, pavi. Et double ravi. Ok, on a eu un crit. Bon, on n'a même pas du GPF parce qu'on a le PM. On n'a pas le PM. On a fait tomber le PA sur une rune de feu. On a 99 depuis. On va avoir un G correct sans être fou. Alors, je vais commencer peut-être par la Vita. Parce que là, si j'arrive à avoir la pavie, j'ai plus besoin de la toucher. Voilà, nickel. C'est toujours un peu compliqué. Ça peut prendre beaucoup de puits d'essayer de passer une pavie à ce stade. Mais là, ça m'évite de faire l'over en fait. Et on a un G qui est pas trop mal en vrai. Hein. Bon, on n'aura pas le perf, hein, moi ça me chiffonne toujours un peu. Mais du coup, on aura des grosses tentas sur les raises. Et on est en double puits là. Ça peut faire des choses. Hein. Ça peut faire des choses très clairement. Allez, en plus, on a du crit. C'est magnifique. Même si le crit, c'est surtout à la fin qu'on le veut, bien sûr. Moins 20. 67 de puits, bah franchement on est pas mal, hein. On part sur 11 tentas là. J'ai dit reste terre là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on sort à 4%? Ça m'étonnerait même pas. Après il va falloir bien sûr repasser, voilà les 4%. Oh en plus un succès neutre, en général c'est du crit le quatrième. C'est assez rare, écoutez 4%. Bon on a vu qu'en ce moment c'était un peu chaud chaud de repasser les PAPM, mais qui sait. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, dommage, mais ça m'aurait fait plaisir, hein, c'était quand même un bel item. Tant pis. Le PA est tombé sur une rune pavie, on a 94 de puits ici. On va avoir du GPerf, donc là on va aller chercher l'Over Vita tout simplement. Je vais commencer par les stats. Allez. Hop. Ok, du crit, c'est cool. Ça commence plutôt bien. Est-ce qu'on a la passa? Tiens, on va commencer par la passa qui crit. Ouh, on est sur une belle série de crits. Le crit sur l'intel. Le succès sur la chance. Ça se passe très bien. Hein. 81 depuis. Moins 3, on est à 199. Ah, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas quand même en exorèse? Parce que là, c'est beau. On va voir ça. Bon, on va déjà monter à 349. Moins 10, ça se passe bien. 68. C'est peut-être quand même mieux d'y aller en raise. Parce que c'est quand même plus. On va pas se mentir, c'est quand même plus marrant de passer les raises et d'essayer d'avoir le 4%. C'est plus jouissif à faire, quoi. Après, techniquement, on ne sait pas du perf, quoi. Alors qu'en over Vita, ce serait du perf. Ça m'embête un peu quand même. Allez, on va être joueur, on va y aller en raise. Allez, 11, on s'embête pas trop avec les succès neutres. Il faudrait hein, techniquement tenter le double succès crit sur des raies fixes, mais bon. 11 tentats, je vérifie que j'ai rien oublié. Allez, go. Peut-être le 4%, une fois de plus, qui sait. Tout est possible sur Dofus. Il peut se passer des choses. Bon, ça ressemble pas trop à un 4%, on va pas se mentir. Ça ressemble plutôt à du 2%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA est tombé sur une retrait PA, on a 98 depuis, on a 39 sagesse, donc ça va partir en exorèse sur G soigné à peu près. Je vais y aller à 345 Vita, ce sera correct. Encore une fois, c'est pas perf, mais. En fait, je tryhard pas le perf quand j'ai pas perf sagesse. Parce que c'est soit on est perf, soit on n'est pas perf, donc on reste sur de l'approximatif, mais tout de même correct, hein, tout de même bien plus propre que la majorité des choses qu'on voit traîner sur les serveurs, mais. Voilà, je vais pas jouer à défoncer 42 puits pour gagner 2 de Vita comme j'aime bien le faire, vous le savez bien.
pour un item qui sera pas perf à cause de la sagesse. Donc j'aurais pu quand même commencer par l'over intel. Parce que bon, on fait pas du perf, mais quand même les lignes de stade, ça se soigne. Hein. Ça, c'est quand même... On va pas abuser non plus, on va pas faire des torchons. Hop. Ah, je voyais bien le petit succès neutre, là, ça m'aurait fait plaisir. Allez, moins 3, moins 6, moins 9. 56 de puits, bah, on peut tenter de rune vie. Voilà, on va complètement faire ça. Une et deux. Et 9 tentats restent. Alors je vais les passer, on me réclame de les passer une par une et pas en fusionner tout. Je vais le faire si vous y tenez tant. Allez. Une. Ouais. Bon bah le fusionner tout marche mieux, hein. Bon 1%, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Oh, j'ai plus l'habitude, hein. J'ai vraiment plus l'habitude de voir la petite ligne verte là. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Le PA qui est tombé à la rune d'Aufeu, on a 98 depuis ici. On va être embêté par la Vita, faudra peut-être faire de l'over Vita. Ou alors. Non, je vais over tout de suite, comme on n'aura que 39 sagesse, hein, comme d'hab, on va favoriser les runes quand même, j'ai moins 10. Ce qui fait que je dois enlever 30, donc à la rune Raise, c'est parfait. Ah bah nickel. Ça crie toujours quand il faut pas. Hein. On va y aller à la d'Aufeu. Et bien sûr, j'ai le petit 1 de trop qui rend fou. Ok. J'ai presque envie pour une fois de faire une entorse à mes principes et de laisser le 58-58 pour mettre un gros exo-res. On va faire ça, je pense. On va jouer un peu à passer des raids parce qu'on adore ça. Donc, on va laisser le G dégueu, mais bon, là, j'ai pas envie de vous. Je vous avouerai que le double over à 61, il peut vraiment me défoncer mon puits. Ça me paraît un peu tendax quand même. Est-ce que j'aurais pas un petit PA qui reste d'avant? Ça, c'est la question qu'on se pose. Là, j'ai eu moins 3, a priori. Là, j'ai eu plus 2. Là, j'ai dû avoir. J'ai dû avoir plus 1. Non, je pense que j'ai plus rien. Donc, j'ai 5 de puits en rab. On peut quand même tenter un over ici. Qui passe? Moins 3. Bon, je dis ça, au final, on va le passer notre GPerf. Enfin, sur les stats. Ah merde, là, ça a tapé dans le puits. Ça, c'est pas ouf. Ah merde, j'ai moins 2. Il faut vraiment que là, que j'enlève le 1 de vie. Enfin, le 1 d'intel. Ok. Fou, c'était chaud. Donc, j'ai. Parce que là, du coup, ça m'a tapé dans le puits, ça va pas du tout. Donc, ouais, c'est heureusement que ça n'a pas fait plus, hein. On a donc 10 tentats restaires. Let's go. Allez, je vais les passer une par une, sinon je vais encore me faire disputer. Ok, 1, 2, 3. Oh, il en reste 7. Est-ce qu'on va chercher le 4% peut-être? On y croit. Bon, 3%, c'est quand même bien. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA est tombé sur une païnée, on a 97 depuis, on va commencer par s'occuper de la Vita. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec les stats. C'est pas impossible que je les laisse comme ça et qu'on parte sur une grosse grosse tentaraise. On va voir mon humeur. Ok, on a du crit là, ça fait plaisir. 94, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Bon, j'aurais pu aller chercher le 350 Vita à la rune. La rune pod, mais bon, là encore une fois, c'est le 38 de sagesse qui me dit que c'est pas très utile de tryhard. Là, on est clairement sur un gros G quand même. On a 4 de puits en trop. On peut faire une tenta de remontage de chance. Ce qu'on va faire tout de suite. Qui passe pas. J'ai un de puits restant, du coup, qu'on va mettre aussi sur la chance. Ok, et du coup, ça me fait 15 tenta raise. 15 centares, et là je suis bien content d'avoir refait le stock. On va partir là-dessus, parce qu'on est quand même sur un beau jet. C'est parti, allez, je vais les passer une par une, parce que je sais que vous aimez ça. Allez, ça commence bien. Oula, peut-être le 5%, qui sait? Ouh, effectivement, hein, quand on clique dessus, ça marche mieux. Hein. Allez, est-ce qu'on a la petite ligne verte qui nous amène au 4%? Ce serait sympa. Oh, pas drôle. Bon, on a quand même un 3% plutôt cool. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. On a fait le tomber le PA à la Repair R. On a 94 depuis.
Alors on est un peu embêté ici, bon la sagesse elle est bloquée à 38 donc on n'aura pas de perf. Le souci c'est la vita ici. Est-ce qu'on fait le 349? On n'a pas le choix, il va falloir le tenter. Va falloir le tenter et ça passe, ok. C'est vraiment, c'est soit ça passe direct et il n'y a pas de souci, soit on ruine le puits là-dessus. Donc on s'en sort bien, ouf. Du coup l'intel, la chance on va la laisser à 59, donc on va devoir passer l'intel. Moins 21. Bah ça va franchement, hein, on s'en sort pas trop mal, on a passé le pire, maintenant il reste plus que la repair R. Moins 12. Moins 19. 51 de puits restant. On peut tenter la chance. Hop, qui passe pas. Donc 48, donc 8 en reste R. Hop. On en a combien? Allez, 1, 2. 3%, c'est pas mal. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 88 depuis là-dessus. On a 39 sagesse, donc on va rester sur du jet non perf. Alors comment on gère la vita? C'est là toute la question. Je vais y aller à l'appât. Et je vais monter comme ça. Ouais, j'allais dire à 301, mais ça a été un peu capricieux, donc j'en ai claqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. On va faire l'over. Tac, ok, le crit qui met bien. Bon, on s'en sort pas trop mal. Ça va être un peu délicat pour la chance, l'intel, pardon. Ok, bah il suffisait de dire ça pour que ça se passe très très bien. Donc tout va bien, on va mettre la chance maintenant. Qui crit, et eh ben ça va franchement, hein, c'est pas si mal. Le tacle, le dofeu, la raise. Donc on a moins 4, on a moins 5, on a moins 12, 34 restants. Je peux tenter une rune sagesse, une rune vie et 5 runes raise. Nickel. Alors bien sûr c'est là-dessus que le PA va repasser. Enfin, je dis ça mais même pas en fait. Voilà, super. On a fait tomber le PA à la do haut, on a 98 depuis. On a un G qui est pas. Bon, qui nous arrange pas trop sur les trois premières lignes, mais qui est maxé sur le reste. Donc on aura peut-être, si c'est pas trop capricieux, pas mal de tenta. Ok, on a passé l'over vita. C'était le plus dur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 10 alors qu'on a crit. Ok, ça commence bien. Non, on n'a pas crit. Oulala, apportez-moi un café s'il vous plaît. Ok, 88. 88, on va passer la chance qu'on va laisser à 58. Parce que de toute façon, le G n'est pas perf. Va nous falloir l'intel quand même un jour. Allez, allez de fus, ok. Du coup, j'étais là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moins 36, on a 52 depuis. Ce serait bien de gagner 2 éventuellement. Je regarde si j'en avais pas avant. Là, j'ai eu moins 1, là, j'ai eu moins 4. Oh, ça me paraît. Non, à mon avis, j'en avais pas. Du coup, ce qu'on peut faire. Je pourrais tenter un succès crit à la raie neutre, mais je vais tenter plutôt la pacha. Pas de regret, j'ai encore un depuis. Hop, donc là on est à 48. Soit 8 en tas. Ah, j'ai oublié le tacle. Mince. Mince, mince, mince. Du coup, j'ai flingué un peu de puits, c'est pas ouf. Non, on reste sur un multiple de 6, donc aucun regret. Du coup, on est sur 6 tentas. Bon, bah, on s'en sort pas si mal que ça. Hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. On a fait tomber le PA à la repair R, on est à 95 depuis. On a enfin les 40 de sagesse, la fin de l'item là est bien maxée, c'est plutôt cool. Il y a juste du coup l'intel, la vita à revoir. Alors la question c'est est-ce qu'on part sur un over vita ou pas?
On va commencer par l'intel. Alors là, cette fois-ci, on va over. Moins 18. Bon, la chance, on va tomber à 60. Oh, le petit crit. Décidément, deux crit. Alors, par contre, là, c'est pas ouf. Je voudrais que ça prenne l'intel, en fait. Oh, décidément. Bon, ça va qu'on a eu du crit. On a quand même eu un moins 4. Ça fait un peu chier, pas vous mentir. Alors, il y en a qui disent que, par exemple, si j'avais mis un de force, ce serait mieux passé. Ça aurait eu plus de chances de taper l'intel. Je suis pas convaincu. Mais je sais qu'il y a toujours un petit débat là-dessus. Bon, si on a du crit là-dessus aussi, à la limite. J'ai moins 2. 71. Moins 9. 62. Que faire? On pourrait balancer deux runes vie et six runes ravie. Hein. Mais bon. Le jet n'est pas perf en fait, c'est ça qui m'embête. Mais là, je sais que vous préférez tous voir des exorèses quand même en bleu comme ça. Donc écoutez, on va y aller en exorèse tout simplement. Je vais pas faire grand chose des deux depuis en plus. Donc c'est parti comme ça. Ok, 2. Ouais, c'est pas ouf. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Oh, j'ai plus l'habitude, hein. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM, incroyable. On n'y croyait plus. Plus personne n'y croyait. Bah c'est passé, mais du coup le jet est un peu crado. Alors normalement là ça part direct en PO ou en pourcent restore, mais en fait ça fait 4 jours qu'on est sur l'item parce que les PA ne passent plus. Donc bah écoutez, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.